Tu sais, j'ai été directeur de la culture de 1987 à 2001. Il y a eu plein de choses. Ce projet appartient à tout un ensemble d'autres projets. Et tout ce qui a marché durant cette période, moi je dis, ça a d'abord été une question de rencontre. Et j'ose même dire d'amitié. C'est des gens comme ça qui viennent, qui se retrouvent, qui ont des idées. Et ces idées se transforment en « Ah, on va faire quelque chose ». Et puis ça devient un projet. Après, ce projet déborde le cadre de la rencontre, de l'amitié pour devenir quelque chose de plus institutionnel. De comprendre cela, si tu parles avec les gamins, si tu parles avec Bibiel, si tu parles avec Chaloup, c'est les mêmes noms qui vont revenir, et c'est des noms qui ont marqué cette période. Je pense à quelqu'un comme François Coquelard, comme Momo Wandel, autour du projet Momo Wandel, de la musique de Momo Wandel, des gens comme Ghislain. Enfin, on était un certain nombre de copains, d'aventuriers. Et un jour, Laurent Chevalier, avec lequel donc on avait fait toute une série de films que j'adore, est venu pour dire, Télivel, il faut qu'on fasse un film sur le cirque, la tournée du cirque guinéen à travers la Guinée. C'est le genre de truc, et on était sous un arbre. Je lui ai dit, mais Laurent, on n'a pas de cirque en Guinée. Mais de Beb, justement, on va en faire. On va créer une troupe de cirque. Pour moi, le cirque, c'était les lions, le trapèze, enfin, ce que j'avais vu durant mon enfance. Il m'a dit, non, le cirque moderne, c'est quelque chose de plus... qu'on peut adapter, l'Afrique peut participer à la création du cirque moderne. La Guinée a tous les atouts, vous avez tous les atouts pour faire des spectacles de cirque. Vous avez la musique, vous avez la danse, vous avez des acrobates, vous avez une tradition, vous avez tout. Il suffit d'amener un metteur en scène et puis voilà, on va faire le cirque. Bon, mais ça commençait déjà à m'enthousiasmer moi-même, j'ai dit bon, d'accord, ouais. Et puis je me disais, bon, on va le faire pendant au bout de 2-3 ans. 6 mois après, Pierrot Bidon était là. Pierrot Bidon, c'est une des figures emblématiques du cirque moderne. C'est Arcaos, c'est aussi des écoles de cirque au Brésil. Il est là, lui aussi rentre dans cet enthousiasme. Résultat, on a Circus Baobab, cette troupe d'art acrobatique. Et Laurent a son film. Thank you.
c'était où? On avait l'atelier de métallique. Devant ici, on avait l'atelier de menuiserie. Et ici, quand le bobob était fini, on a amené vers ici, est venu monter pour que les gens puissent répéter. Et en même temps, on montait aussi dans les arbres qui sont là. Et on montait dans les arbres pour que les enfants puissent habiter à monter dans les différentes branches, parce que le baobab consulté à différents à 12 branches. Et surtout, au fur et à mesure qu'on avançait, on se rend compte que il faut pas laisser mourir cette idée. Il faut pas que ce soit un événement. Il faut que ce soit un projet de développement. Et tout le monde s'accorde à dire, bon, Chaloub, Laurent, Pierrot Bidon, évidemment moi-même, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse un centre de formation. Et donc, l'idée de centre de formation est née. La première promotion est sortie, mais on va recruter de nouveaux élèves et on va commencer à leur apprendre et ainsi de suite. Et voilà, il y a eu après des hauts et des bas. On a eu une période de galère, une période assez difficile. C'est ici le centre aujourd'hui, quand même pas de gros moyens. Voilà, le tapis sont abîmés. Il faut vraiment aujourd'hui de partenaires pour nous aider. C'est l'acrobatie, il faut le tapis. En même temps, les agrès aériens aussi, le trapèze volant. On a des problèmes de maïsite. On n'en a pas. On ne trouve pas de maïsite ici. On ne trouve pas aussi de guidoline ici. Il y a plein de choses qu'on ne trouve pas ici, au niveau du cirque. Donc vraiment, on fait aussi... Qu'est-ce que vous avez en matériel là, en fait? Vous avez un portique? Voilà, les pêches portent... Il y a des gens qui disent troubillon, généralement, qui appellent comme ça, il y a des gens qui disent pêche. Voilà. Vous avez de l'eau quand même. Voilà, on a un robinet. On a une station de pompe. On a du courant aussi. Voilà. Et puis on a eu la chance. Quelqu'un comme Gaïté Fofana a fait un film où il a eu besoin de nous. Et tout d'un coup, ça a donné un éclairage. Le film, c'est Un matin bonheur, qui a été réalisé sur le thème de deux enfants qui sont morts dans la soute de Sabena. Tout ça a jeté un certain éclairage sur nous. L'Union européenne est venue pour mettre des équipements. La coopération française a d'abord construit auparavant le centre, en tout cas la salle actuelle. Et puis l'UNICEF est venu, on a maintenant un partenariat, j'espère, qui va se prolonger sur 5 ans. Et la coopération française revient de nouveau, je crois que le Japon pourrait être intéressé, mais ce qui me semble décisif, c'est que de plus en plus, les Guinéens, les institutions guinéennes, les ONG guinéennes commencent à s'intéresser à ce projet, commence à connaître ce projet, à se poser des questions et dire comment nous pouvons intervenir. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut que le projet reste dans sa dynamique guinéenne. Et c'est urgent, je dois déposer ça tout de suite. Internet.
Mais comment on va faire alors? Parce que si je ne l'ai pas, moi, le FSD, c'est foutu. Hein, hein? Je suis au centre. Ok, à tout à l'heure. Si vous vous donnez le modèle, et ils ont intérêt à connaître les grands modèles que l'on utilise en Guinée, de marmite. Donc il faudra leur demander et voir maintenant éventuellement le prix, parce que si on peut économiser le bois, oui, ça économise moitié moins de bois. Et alors on a tenté les assiettes avec l'ancienne méthode, l'autre marmite, ouais, pour voir combien ça faisait exactement. Ouais. Mais en fait, ça faisait à peu près 50 assiettes, alors qu'ils sont plus de 70, 75. Moi, donc à chaque fois, il manquait 20, 25 repas, quoi. Ouais. C'est ça. À mes chiffres, j'ai pris 100 élèves. Je crois que c'est ça la vitesse de croisière. Ouais. Ouais, mais jusqu'à présent, on était à 50 repas, alors qu'ils étaient au moins 70, quoi. Ouais. Donc il faut diminuer la ration alimentaire. C'est déjà petit, non? Réaliser ce projet, imaginons le parcours d'un élève. L'élève, il est où? Le public, il est où? Le public cible, les bénéficiaires. Ils sont dans la rue, c'est les enfants qui sont si difficiles. C'est des jeunes déscolarisés, c'est des jeunes vivant dans les milieux pauvres. Parfois même, c'est des pré-délinquants, voire des délinquants. Et nous, première étape, il faut qu'on aille le trouver. On parle avec lui. Il ne s'agit pas de le prendre par le col, la chemise, et de lui dire viens dans le centre. Nous on va. C'est pas un centre de rééducation. Il faut qu'on parle avec lui, qu'on parle avec les parents, qu'on le motive, qu'on le sensibilise, qu'il vienne voir. Parfois qu'il commence, qu'il disparaisse, qu'il revienne, qu'il recommence, qu'il disparaisse, etc. Jusqu'à ce qu'il ait envie, jusqu'à ce qu'il commence à construire son propre projet personnel. Cela est extrêmement important, je pense que c'est un point de départ nécessaire. Que ce soit une motivation qui vienne aussi du jeune. Mais quand il veut, il y a la boule de ce qui fait à vous, 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 à
Moi, je suis un griot. Mon papa est un griot, ma maman est une griotte. Donc, je suis né dans cette famille, grandi dans cette famille. Et c'est dans cette famille que j'ai commencé la musique avec mes parents, dans les cérémonies de baptême, de circoncision. Affaire avec beaucoup d'instrumentistes, beaucoup de groupes orchestrales, de groupes traditionnels encore. Donc je n'étais pas dans un ballet, mais le centre d'art acrobatique Kita Fodeba faisait monter une scène de spectacle qui s'appelait Samouri. Samouri était un héros guinéen qui s'est opposé à la pénétration coloniale. Donc ce dernier était toujours accompagné par un griot. Ce griot ne jouait que l'ongoni à côté de lui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Réveillons-nous, la Guinée. Et même dans la religion musulmane, c'est l'ongoni qui est connu comme l'instrument du paradis. Donc Samouri était toujours accompagné par un joueur d'ongoni. Et après ça, depuis lors, je suis au centre. On lui donne des formations. Ces formations, c'est dans les arts acrobatiques, dans les arts du cirque. On va apprendre à jongler, à faire des acrobaties aériennes, à faire le clown, à jouer du théâtre. Il va aussi apprendre les arts africains, à danser les danses africaines, les danses guinéennes en particulier, il y en a beaucoup, à jouer des instruments de musique guinéens, mais à les fabriquer aussi. Voilà la première catégorie. On va aussi lui donner des formations dans des métiers artisanaux, la menuiserie, la couture, la soudure, l'électricité. Pourquoi ? Ou plutôt par quel biais ? Parce que on a besoin de ça pour construire une scène, pour construire un décor, pour construire des accoutrements. Quelle meilleure ressource nous avons sinon ces jeunes ? Vont par ce biais apprendre ce métier-là. Et on va aussi soit l'alphabétiser, mais l'alphabétisation fonctionnelle, qu'il apprenne à lire, à écrire, à compter dans le sens de communiquer avec son milieu, de gérer ses activités. Je m'appelle Fode Bangoura. Je suis le fils de Mohamed Ba Bangoura et Fatmata Kamara. Je suis avec mes parents, mes frères rentrent à l'école. J'ai suivi à l'école jusqu'à la sixième année. Après, j'ai abandonné à l'école. Je suis parti chez mon grand, soldat. Mon grand, il m'a rentré en cirque. Moi, on m'a venu à le maquiner. Moi, dans le c'est de travailler beaucoup, faire des tournées, avoir des contrats de festival, aller dans certains pays africains, à l'intérieur du pays. Et si j'ai un contrat sur l'Europe ou les États-Unis, j'irai faire ce contrat. Et après le contrat, je reviendrai au Berkay avec les biens que j'ai acquis là-bas pour aider mes parents. Mon grand souhait aussi, c'est d'être
un jour un grand maître d'acrobatie, un grand maître de cirque, comme mon directeur aujourd'hui, BBL, j'aimerais être comme lui aussi. Et donc, voilà ce que nous lui donnons. Mais cela, c'est des outils. Ce que nous lui donnons en plus, je crois, en tout cas, ce qu'on voudrait lui donner en plus, c'est cette confiance en lui-même, cette capacité à construire son propre projet pour dire « Waouh, il faut que demain je devienne ceci, demain il faut que je devienne cela. » Et donc, qu'à la sortie, alors, qu'il ait plusieurs voies de sortie. Il peut devenir un artiste de cirque. On en a déjà quelques-uns. Un artiste soit de cirque ou soit dans d'autres arts. On a quelques-uns, il y a un qui a été recruté par le Cirque du Soleil, il y a un qui a été formateur, expert pendant un certain temps au Burkina Faso et qui est revenu ensuite pour continuer sa formation ici. Et il y en a qui vont être recrutés dans la troupe d'art acrobatique qui est en train de tourner. Il y en a qui vont constituer leur propre troupe et qui vont tourner. Mais il est évident que sur 1000 qu'on va former dans deux ans, 3 ans, tous ne vont pas être des artistes de cirque. Je m'appelle Kamala Ibrahima Souri. Je suis né en Guinée ici, grandi en Guinée ici. Je suis le fils de Nabi Kamara et Massiré Bangoura. Je suis à Matam, commune Matam, quartier Tugodi. Quand j'étais enfant, ma mère m'a fait rentrer à l'école pour que j'étudie. Mais j'ai vu mes amis au Dundumba, ils font l'acrobatie. Et puis, moi aussi, un jour, j'ai descendu au bord de la mer, j'ai essayé de faire ça. Il nous a pris, il nous a envoyé au cirque pour faire l'acrobatie là-bas. Je suis travaillé là-bas jusqu'à dans ce temps-là. J'étais à l'école toujours. J'étais à 8e année dans ce temps-là. On a fait une stage de danse contemporaine au centre culturel. Quand j'ai eu un contrat là-bas, j'ai parti en Europe pour faire un mois. J'ai continué au cirque maintenant, jusqu'à l'heure là. Merci, Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, ça va mieux. Mais dans 10 ans, je vais être un bon acrobate et un bon artiste aussi, vraiment. Ça, oui. Il y en a qui vont se positionner plus comme formateurs parce qu'ils n'ont pas le talent pour être des artistes de scène, mais par contre, ils ont un talent pédagogique pour être formateurs. Il y en a qui vont être des menuisiers, il y en a qui vont être des électriciens, soit pour faire des décors, soit pour faire toute autre chose, bon, qui vont rentrer dans le secteur économique PME, PMI de notre pays et qui vont avoir en plus, je l'espère, le sens artistique qu'ils ont acquis dans le milieu, dans le centre de formation Keita Fodeba. Ah, oh Fabé, Fabé. Oh Fabé, venez m'aider à pousser. Mon souhait est de construire une école de musique un jour, soit une école de ballet. En tout cas, c'est ça mon projet, parce que je ne peux pas rester au centre fixe. Moi, mon objectif, c'est de faire mon temps passer après quelqu'un d'autre occupe ma place. C'est un centre. On ne doit pas rester au centre chaque fois. Je suis là. C'est ma place, ça c'est ma place pendant des siècles. Non.
C'est un centre de formation. Le centre a besoin de promotion. Là, je me prépare. Je suis en train de me préparer pour faire la tournée guinéenne avec les enfants, les petits-enfants du centre. Le projet n'est pas qu'artistique, il s'inscrit aussi dans une vision de la Guinée, dans une vision de la nation guinéenne en train de se construire. C'est une nation, quoi qu'on dise, qui a une histoire singulière. C'est une nation qui a eu beaucoup d'épreuves. Et ce projet s'inscrit dans les réponses que cette nation donne à son histoire, à ses épreuves, à ses défis. On a vu ce qui s'est passé au mois de janvier-février 2007. Cette grève émaillée de violence, émaillée de mort, liée à la malgouvernance dans laquelle se trouve le pays, liée à la situation d'extrême pauvreté, liée au désarroi des jeunes. Un grand nombre de choses que l'on voulait réaliser au cours de cette période, notamment les tournées à l'intérieur du pays, la continuité dans les créations, le contact avec notre public à Conakry, ça n'a pas pu se faire parce que le climat ne le permettait pas. Il y a eu cette histoire, la dernière, c'est que la troupe, les jeunes, ils sont allés jusqu'à Farana, c'était pour participer à un festival qui devait avoir lieu à Farana. Ils vont jusqu'à Farana, ça tirait de partout. Ils ont été obligés de rebrousser poil et de revenir dardard au Berkay. Aïcha. Alcine. Yari. Mami. Fatim, Mariam, Issiaga 1, Issiaga 2, Ifa Moussa, Kadiatou, Donkara, Apuna, Aboulay, Sekan. C'est moi, l'homme, le multimilliardaire. L'homme, moi, une aise. T'as mis qui Lolé là, lolé, la lolé. Granzo, ah, n'tan kuruma nara, n'sati na, porque o tono fa o ngano sigari directement. 7h du matin, on a rencontré Garvatir, n'tan kuruma nara. Ah, merci. Voilà. À 7h du matin, on se rencontre à la gare routière. La rentrée à Farana hier, c'était chaos, c'était trop chaotique. Juste à la rentrée, nous, moi je dormais même dans le minibus. Juste au niveau du pont, j'entends maintenant le coup de feu, je pensais que j'étais au Libéria. Maintenant je me réveille, je descends, les gars. Comme les autres barrages, on vient sur mon dieu, on sont des artistes, on vient pour un festival, ils nous laissaient passer quoi, sans problème. Mais on vient là, le gars nous dit, bon, on présente les cartes. Il dit, ben nous sommes en mission, il dit, ça c'est pas un problème, présentez vos cartes, c'est ce qui m'intéresse. Je descends, je montre ma carte, je demande aux autres de montrer leurs cartes. Il y a des artistes qui montrent leurs cartes, il y a d'autres qui n'ont pas leurs cartes.
2000 francs, Ouri, ou quoi, c'est pas. Celui qui n'a pas 2000 francs, je n'en ai pas aucun. Le directeur, c'est pas nécessaire pour vous mettre à l'aise. Et à partir de ce festival, comme c'est un festival chaque année, nous avons vraiment la volonté et nous souhaitons que votre groupe progresse et qu'il soit le premier participant chaque année dans ce festival. Il a montré un hôtel, je viens de dire merci. Je lui tends un billet de 5 000 francs, il me dit non, c'est 25 000. Ah, j'ai dit ah. Un chambre. Non, pas, la, pas les chambres, le gars qui nous a conduit là-bas. Il m'a dit 25 000, je lui dis mais 25 000 pourquoi? Il dit mais parce que je vous ai conduit jusqu'à dans un hôtel. J'ai dit ah, ça c'est beau ça. Je lui dis bon, Joe, écoute, c'est ce que tu veux faire, prends 10 000 francs pour moi, je n'ai pas d'argent. Le gars il dit niet. J'ai tout fait, j'étais obligé de donner 15 000 francs. C'est un festival. C'est une histoire à ne plus revivre chez moi. C'est une histoire que je ne veux plus revivre. Et la mise en place d'un gouvernement de consensus, beaucoup d'observateurs pensaient que la Guinée avait tourné le dos à la tumulte. En vérité, non. Il y a le
le chef d'État qui vient de me voir. Ouais. Que le gouverneur a envoyé une commission de stopper le festival. Quoi. Stopper le festival qui ne peut pas prendre des responsabilités, qui a découvert ça, de stopper le festival. Si vous voyez que c'est arrêté aujourd'hui, c'est le gouverneur qui est le représentant, monsieur le président de la République dans la région. Les militaires sont mécontents. C'est les militaires qui se révoltent. Il a dit qu'il ne peut pas prendre la garantie que les gens font du spectacle et les militaires tirent sur la population. La révolte a commencé depuis avant-hier. Mais actuellement, maintenant, ils tirent en ville. Bon, il y a eu au moins des blessés. Avant-hier, il y avait 18 blessés. Et aujourd'hui, 9 blessés. À Farana ? À Farana, ici. Est-ce que ça a pris aussi dans d'autres villes ? Oui, c'est toute la Guinée. On a créé. C'est toute la Guinée. Et aujourd'hui, c'est très chaud à Conakry. Conakry, le 12 mai 2007, général Lansana Conté. Décret portant nomination de certains officiers au poste de responsabilité. Le président de la République décrète, article 1er, les officiers dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur général de l'intendance. Ils suivent, ils connaissent leur direction. Ces problèmes ont surgi parce qu'il y a un certain nombre de défis qui ne sont pas relevés. Et que la communication ne passe pas, le dialogue ne passe pas. Par des spectacles à thème, le projet dit voilà des questions que nous soumettons au débat public, voilà des questions que nous donnons aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux parents d'élèves, à la population dans les quartiers. Et voilà de quoi continuer à réfléchir et autour de quoi dialoguer. Donc ce projet n'échappe pas à son inscription dans la réalité guinéenne, dans le tumulte de l'histoire politique guinéenne, dans le tumulte de l'histoire guinéenne. Mais au-delà de l'impact qu'il subit, il est surtout une réponse faite par des jeunes, par des enfants, et qui dit aux gouvernants, qui dit aux dirigeants, qui dit à la société civile, qui dit aux partenaires au développement, à la coopération internationale, qui leur dit voilà comment nous voyons la Guinée, voilà comment nous la traduisons en spectacle, voilà comment nous la vivons. Et voilà quel message nous construisons autour de cette réalité-là. Finalement, je crois que si ce projet a abouti, c'est parce que les gamins que l'on voit dans le centre, ils en ont envie. Ils ont pris le centre en main, c'est leur centre. Ils ont pris leur destin en main, c'est leur destin. Nous, on passera, mais eux, ils sont là, ils sont présents et ils feront avec ce petit qu'on leur a donné quelque chose qui va durer 10 000 ans.